Salut tout le monde, alors c'est parti, on va jouer à Resident Evil 4, vous êtes prêts pour battre le boss final les gars? Attention, ça va être chaud patate, donc le dernier chapitre, le chapitre 5-1 pour être précis. Oh? D'accord, ok. Bon alors, donc du coup on va battre le boss final, ça va être chaud patate. Non mais voilà, on va battre le boss, à la limite, juste avant de battre le... Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Ah mais je pensais qu'il y avait... comment dire, il y avait un spray, mais non, on n'a pas de spray. Voilà, par contre, on a une plante jaune. Putain, ça fait beaucoup de plantes jaunes. Ouais, ça fait beaucoup de plantes jaunes, ouais. Bon, alors, on met ça là. On prend ce qu'il y a là, voilà, tranquille, hop. Voilà. Ça va être compliqué. À la limite, bon, ouais, on s'en fout un peu. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous veux, notre ami? Non, qu'est-ce que tu veux, mon ami? Donc, au niveau de l'achat, est-ce qu'on peut avoir au moins un spray? Oh, magnifique. Voilà. Et on peut pas en avoir deux. J'aurais peut-être dû attendre avant de prendre la plante verte. C'est dommage. Bon, on va vendre... émission de fusil à pompe, ça sert à rien. Bon, pour l'instant, on va vendre ça. Voilà, parce que ça nous sert à rien. Le sniper, on sait jamais, on va garder. Grenade aveuglante, ça nous sert plus à rien. Grenade incendiaire, ça nous sert plus à rien. Les grenades, on sait jamais. Le black tie, on le garde. Le killer 7, il dégage. TMP, on le garde. On garde. Et bah, si, on en avait un. Bah, il était où? Enfin bon, on s'en fout. Du coup, ça, on s'en fout. Et du coup, ça, on s'en fout aussi, je suis con. On va juste utiliser, du coup, notre spray. Putain, on a plus rien presque. Hein. Oh là là. Voilà, et on va vendre notre grenade. Non, qu'est-ce que je dis? Non, on va acheter un spray. Oh là là, mais je deviens fou. Putain, je suis mort. Allez, hop, on achète un deuxième spray. Bon, ça fait pas beaucoup de vie tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? On fait ce qu'on a. Ah là là, ça va être compliqué. Bon, en gros, le but de la mission, c'est de le tuer au pistolet et à la mitraillette grand max. Donc on va essayer de faire ça. Alors avant je savais pas que c'était possible, mais maintenant bah je le sais. Ah là là. Maintenant je sais que c'est possible de pouvoir le battre à la mitraillette. Mais voilà, il y a Ashley, nanana. Enfin il y a Ada, voilà, elle est emprisonnée, je sais pas quoi. Il y a l'autre connard. Voilà, il y a lui là, le méchant. Voilà, il va se transformer, nanana. Enfin bon, on s'en fout. Ah là là, ça va être compliqué, je sais pas comment on va faire. Franchement, je vous le dis, ça va être... Je m'en fous. Voilà, merci. Putain, ça va être compliqué. Alors déjà, je vais penser à esquiver, voilà. Pas commencer à me tuer, le monsieur, là, parce que sinon, ça va pas être bon. S'il y a moyen que j'esquive aussi, enfin... Faudrait pas qu'il commence à me... Quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bizarre. Bon. On dit trop rien, on va dire que c'était un bug. Donc j'en sais rien, que c'était fait exprès. Mais non, c'est pas possible. Ah putain, allez, mais... Oh dis. Vas-y, esquive. Putain, mais non, j'ai même pas eu le temps d'esquiver, quoi. Ça a pris 2 secondes pour esquiver. Enfin, une même pas. Il est où? Mais t'es sérieux, gros? Mais j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Bon les gars, je sauvegarde parce que bah, malheureusement on est obligé, enfin à chaque fois ça nous fait tout recommencer, hein. Donc pas du début du chapitre, mais en tout cas ça nous fait recommencer de, je vais vous montrer où, voilà, ça nous fait recommencer de juste là, ici là, on réapparaît ici et tout ce qu'on fait ici là, et ben c'est ça revient, donc la plante qui a contre le mur revient, la plante, enfin les trucs là reviennent, ce qu'on a vendu au marchand, tout ça revient. Et donc du coup, je suis obligé de tout recommencer à chaque fois et j'ai vraiment pas envie de faire ça. Donc si je sauvegarde, je recommencerai directement devant la sauvegarde et avec toutes les actions que j'ai déjà faites. Donc voilà, bon, c'est vraiment des enculés les créateurs, j'ai envie de te dire. Voilà quoi, c'est limite, j'ai envie de leur foutre une tarte, mais c'est pas très grave. Bah, donc on va se retrouver tout de suite pour battre le boss, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, mais d'accord, en fait ça, ouais. D'accord, en fait, ouais, du premier coup, on peut le toucher quand on le touche sur le... Comment ça s'appelle ? Quand on le touche sur le... Ah, sur l'œil. sur l'œil. Me tape pas, merci. Ce serait sympa de ta part.
On va essayer de reculer le plus loin possible. Et de pas trop se faire niquer. Hein. Voilà, nique-nous pas trop. Allez, on esquive. Putain, oh mais on n'a pas le temps d'esquiver quoi. Et mais... Oh, tu peux attendre 2 secondes s'il te plaît. C'est un truc de malade quoi. Bon. Allez, on reprend de la vie. Ouais. Hop là. On active. Oui, active, je m'en bats les couilles. On s'en fout, t'active, voilà, on verra, on réfléchira plus tard. Parce que là, là-haut, c'est tombé quoi. Le mec, il nous touche, on se demande comment. Enfin bon. Truc de malade. Bon allez. Vas-y, défonce-le. Ah là là. Ok. Allez, ça s'active ou pas? Oui, allez, cours. Ok. Là, ça va être chaud par contre. Je sais pas comment on va faire, je sais pas. On prend les grenades. Je sais pas où il va sauter. Wow, calme-toi, gros. Allez. Putain, je vais tirer dans la... Vite. Je sais pas ce qu'on fait, je sais pas. Oui, c'est bon. J'ai appuyé un peu sur tout et n'importe quoi, je me dis ça va passer. Oh mais encore? Oh mais t'en as infini ou quoi là? Putain c'est dégueulasse ce jeu. Vas-y, non, ton œil, s'il te plaît. Et quoi encore? Vas-y, oh là là. Eh, je sens que ça va être chaud patate. Allez. Putain, il faut que je reprenne de la vie. Oh là 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 là, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Allez, reprends de la vie s'il te plaît. Ça va être chaud. Ah mais d'accord, ah merde, son œil. D'accord. Allez, parce qu'en fait, vous voyez, quand on tire sur son œil, après ça s'arrête quoi. Enfin après, il n'y a plus d'œil. Ah merde. Ah ça par contre, c'était pas prévu. Mais alors pas du tout. Ah là 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 là, merde. Vas-y, remonte. Oui, putain, vite, il va falloir activer, il va falloir appuyer. Même pas besoin d'appuyer. Génial. Putain, je sais pas, voilà, esquive. Ok. Bon. Vas-y, viens là. Saute. Putain, mais... Oh, mais il faut... Combien d'esquives, là? Enfin, il y a combien de... Putain, il en a infini, le mec, des trucs, quoi. Vas-y, ton œil, s'il te plaît, ton œil. Tiens! Espèce d'enfoiré, va. Allez. Ah si, son œil là, il reste encore. Ah, donc on peut le faire plusieurs fois, son œil, ok. On peut le faire plusieurs fois, puis après, il se détruit. Après, il est mort, quoi. Bon. Du coup, on va reculer un peu, quand même, parce que, bon, pas trop envie de se faire défoncer. Et puis, s'il y a moyen qu'on tire sur son œil, oui. Oh, j'ai cru que j'allais me faire défoncer. Hein. Oh, j'y ai cru, hein. J'ai dit, non, je vais me faire défoncer, nanana. Oh là là, c'est chaud patate, hein. Bon. C'est la première fois que je battrai le boss comme ça. Alors le problème là, c'est que je suis un peu dans la merde. Esquive. Putain. J'ai esquivé. Wesh. Bon. Allez, cours, Maurice, cours. Parce que là, il est vénère. Hein. Putain qu'il est vénère. Putain. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai cru que j'allais pas réussir à le... Vas-y, tire ton truc, voilà. Allez, viens. Vas-y, viens, je te défonce. Putain, encore. Allez, voilà. T'as pas d'œil? Si, t'as un œil là-haut, là. Non, et là? Putain, t'as plus d'œil. Vas-y, viens, je te défonce. Tu viens ici, mon gars, je te défonce. Allez, cours. Plus vite. S'il te plaît, c'est lent. Merci beaucoup. Et c'est dur. Hein. Franchement, c'est compliqué. Heureusement qu'il faut qu'une seule balle. Moi, je pensais qu'il en fallait plus. Mais non, pas du tout. Allez, monte. Monte le cheval. Ok, nickel. Par contre, ça va être compliqué. Si vous pouvez t'activer, s'il te plaît. Allez, vite. Oh là 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 là, j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. Alors là, il va falloir esquiver, je pense.
Non, pas besoin d'esquiver. Bon, ça m'a l'air d'aller. Putain, vite, esquiver, esquiver. Vite, ok. Putain, c'est chaud. Oh merde, 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 calme-toi. Vas-y, y a pas une... Putain. Pff, oh là là, ça va être chaud. Mais merde, mais merde, mais merde, mais merde. Mais merde, mais merde, mais merde, mais merde. Calme-toi, gros, calme-toi. Non, mais calme-toi. Arrête tes conneries, gros. Tu vas me tuer, tu vas me tuer. Oh, mais il est malade, il est malade. Il est devenu complètement malade. Vas-y, viens là. Je te défonce. Ouf. Allez, 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 allez. Putain. Je sais pas s'il me défonce après. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, après c'est vraiment limite. Je sais pas si après il me reste un tout petit peu de vie ou si vraiment il me défonce. Bah le truc c'est que j'ai pas trop envie de tester, mais bon, ça me ferait un peu chier d'utiliser de... Je pense qu'on va devoir y aller à la grenade parce que là, je peux te dire que... Allez, 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 allez. Stoppé, merci. Allez, allez, putain. Heureusement que je suis réactif. Ok, ok, vas-y, hop, prends la mitraillette, prends la mitraillette. Allez, allez, allez. Putain, il saute, il saute. Allez, allez. Allez, monte, monte, Léon, monte. Allez. Hop là, on est concentré. Normalement, elle nous envoie un lance-roquette. Putain. Merde, vite, cours, 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 Léon, cours. Non, Léon, cours. Saute, Léon, saute, saute, Léon. Allez, Léon, allez. Oh putain, j'aime le bras. Ouais, enfin, non, ça va. Non. Vite, Léon, prends-le. Le problème, c'est que je sais pas si je le tire ou pas. Bon, à la limite. Attends, j'ai une petite idée. Je vais utiliser mon spray pour être sûr de pas mourir. Et si je me fais toucher, je le défonce. Bon, d'un côté, c'est pas en restant ici que je vais pas me faire toucher. Allez, allez. Quoi, je peux plus? Ah, je peux plus? Non, mais je vais me faire défoncer là, c'est obligé. Bon, tu sais quoi? Tu vas pas me saouler longtemps, gros. Je vais pas faire l'erreur. Pas faire l'erreur, sale connard! Hein, espèce d'enculé, va. Non, attends, c'était impossible, vous êtes fous. Je suis pas non plus. Oh, je suis pas suicidaire, hein. J'ai pas envie de tout recommencer. Putain, oh le mec. Et chaud patate à niquer au pistolet, hein. Mais encore, on peut le niquer au pistolet, c'est plutôt pas mal ça. Mais hein. Encore, ouais, non, limite quand même. Faut vraiment avoir beaucoup de balles de pistolet pour pouvoir. Mais bon, ça va quand même plutôt pas mal. Pas besoin d'avoir non plus d'énormes. Ah, j'aurais pu le niquer au sniper, ouais. Ouais, mais bon, je pouvais plus passer le. Je pouvais plus passer donc. C'était un peu con quoi. Tu sais, je voulais passer de l'autre côté, mais ça voulait plus s'activer. Sinon, j'aurais continué, hein, mais là, je pouvais pas. Là, je pouvais pas l'esquiver et tout ça. J'étais obligé de le tuer avec le lance-roquette. Hein. Bon. Voilà, donc elle s'est pas fait tuer par les hélices. On se demande comment elle a fait. Mais bon, ça, c'est pas grave. t'en fais pas, Nina, on s'en fout. Mm-hmm. Ouais. Ouais, t'as activé une bombe, je m'en fous. Elle a vraiment été. Je sais pas quoi, Nina, tu es un trap. Hein. Vaut mieux filer à la prochaine. Ok, bah voilà, donc du coup on va finir le jeu. Putain, ça va être cool ça, putain. Oh là là. Bon. Charmant de quoi, charmant? C'est toi qui es charmant. Bon allez, prince charmant, tu vois. Ouais, ouais, si t'as envie. Bon alors, du coup, on va prendre, voilà, les sous-sous. Et une fois qu'on aura pris les sous-sous, et ben on va se barrer. On va se barrer, ah clairement on va se barrer. Parce que là, franchement, waouh. On va juste, avant de se barrer, on va juste...
On va faire un petit kiff. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut, hein. Je suis pas sûr. Voilà. Je pense... Eh non, on peut pas. Ok, on peut pas, on peut pas. Je parie que ça va s'écrouler. Voilà. Tout à fait, ça s'écroule. Putain, bon, c'est pas très grave. Non, parce que je voulais vendre toutes mes armes, mais bon, je peux pas. Malheureusement, ça aurait été marrant, ça aurait été marrant. Qu'est-ce que je te dis? du coup... Vas-y, viens là. Hop là, nickel, tranquillou. T'es content? Ouais, t'es content. Ouais, content. Ouais, il est content, il est content. Ah là là, du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement... Ah mais non, il n'y a rien du tout. Ah bah j'allais dire, on allait récupérer ce qu'il y avait là, mais non, il n'y a rien du tout. Ah ah ah. Waouh, trop bien. Le kiff total. Wouhou. Super génial. Ouais, youpi. Merde, dommage. Dommage, dommage. Bon. Allez. Que de la merde, quoi. On peut pas utiliser une plante directement comme ça. Non, tu peux pas. Hein. Ouais, c'est parti, on se barre. On se barre, je sais pas où. On a enfin fini les jeux. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. On l'a bien niqué au couteau. Plutôt pas mal. Et au final, on s'est bien terminé le game. Oh là là, ça aurait été en facile. J'aurais pu faire full couteau, je pense. Sauf les gros boss. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais... Oh là 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 là. Oh. Allez, c'est parti. Cette fois, arrêtons de faire de la merde. Non, parce que bon, je suis un peu con, tu vois. Non. Bon allez, oui si tu veux, accroche-toi ma belle machin. Ouais, je vous avais dit que c'était le prince charmant, hein. Voilà, prince charmant, accroche-toi, enfin la belle au bois dormant, tout ça. Bon allez, arrêtons de faire de la merde, c'est parti, on speed, on speed, on speed. Voilà. Moi à chaque fois j'ai esquivé la pierre qu'il y avait là, je l'ai esquivé et je me demandais pourquoi je mourais, tu vois. Bah en fait c'est parce que justement j'ai esquivé la pierre, tu vois. J'étais un peu con du coup. Mais bon. Les vagues derrière nous, ouais, super. Accroche-toi, nanana, ouais. Allez, vas-y, on fonce. À fond la caisse. On va tout défoncer. Non, jure, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, j'appuie sur ce bouton. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Alors là. Nickel, normalement. Ok, tranquille. Normal. On a traversé le truc, y a pas de souci. Ok, donc jusqu'à tout va bien. Bon, bah, ça va, nickel. Hop. Et puis hop. Ok, bah jusqu'à là, voilà, on est nickel, on a fini le jeu. Oui, vas-y, c'était compliqué. Hein. Non, mais c'était compliqué. Non, mais c'était compliqué. Non, mais c'était... Oh, putain. Bon, comment ça... Elle a peur pour rien, celle-là. Non, mais c'est une flippette, de toute façon. Dans ton cul. Oh là là. C'était long, hein. Pouf. C'était long, c'était long. Voilà, donc là il l'aide, machin, super. Allez, on rentre à la maison, on va se faire un KFC. Excellente idée. Mission accomplie, hein, Léon? Bah, étant donné qu'on t'a sauvé, oui. Pas tout à fait, je dois ramener chez toi, sain et sauf. Que tu m'auras les ans pour supplémentaire. Désolé. Mais c'est tout. Je me doutais que tu dirais ça, mais ça coûte rien d'essayer. Bah si, ça va coûter un KFC et j'ai pas trop envie, tu vois. Pourquoi? Oh allez, dis-le-moi que tu es moche. C'est une partie de moi que je ne peux pas oublier. Restons-en là. Ok, ouais, non, je sais même pas pourquoi je dis ces trucs de merde, hein, on s'en fout complet. Alors le mec compte partir je ne sais pas où. Il se dit pas, tiens, je vais tomber en panne d'essence ou non. Ça reste d'être la merde, le gars va être au milieu de je sais pas où. Game design. Non, moi j'ai pas envie de savoir qui c'est qui a fait la traduction du jeu. Non, parce que bon, c'est parce qu'il est débile, mais quand t'écris examinar au lieu d'examiner, il y a vraiment un problème quoi. Non, mais. Le mec, voilà. Bon. Oui, donc ça, on s'en fout, hein. Oui, bof. C'est bon. Avec ta musique en plus un peu glauque là. Les personnages et événements présentés dans ce jeu sont fictifs. Tout ressemblement avec les personnes réelles, vivantes ou décédées serait purement fortuite. J'ai mal lu, mais c'est pas grave. Ce jeu est protégé par les lois de la police, de je sais plus quoi, de machin. En gros, il faut pas le pirater, il faut pas le machin. Il faut le payer comme un bon petit citoyen, comme un bon petit pigeon. Et puis voilà. Alors, Unigan, je sais pas, je m'en fous. Voilà.
Donc du coup, maintenant, on a fini le game. On a fini le game, enfin. Allez, reproduction. De quoi? Reproduction. Pro. Je... Non, je sais pas ce que c'est écrit. Pro. Protected. Non, je sais plus quoi. Protected. Non. Franchement, j'arrive pas à lire. Donc 72% de coups au but. Et c'est un bon score, ça va. 759 ennemis tués. Je savais même pas qu'on puisse tuer autant que ça. C'est même Zarbi que j'en ai tué autant. Je sais pas, c'est bizarre. Mort du personnage 175, t'imagines bien que. Mais c'est sympathique parce que ça finit avec 175. Tu vois, c'est pas 174, 172, 178, machin. 175, tu vois. Tout ce qui est 175, 180, 185, 190, 200, 205, 200. C'est cool quoi, c'est des petits chiffres plutôt ronds et ça fait plaisir. Alors, temps 16h et 43. Oh putain! Et on a mis longtemps, hein. Généralement, en moins de 4 heures, je le finis avec les mitraillettes, tout ça. Là, c'est des trucs illimités, tout ça. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, téléchargez vos données. Je m'en fous, fais ce que tu veux. Pff, allez, je m'en bats les steaks. Franchement, je m'en fous. Voilà, donc, vous pouvez désormais acheter le chez le marchand. Lance-roquette infinie et la Matilda. Mais c'est magnifique, dis donc. Et bien entendu, ce bouffon de merde. Voilà. Mais en plus, il est gratuit, donc c'est pas mal. Ouais, j'ai bien envie de sauvegarder, effectivement. Ça me serait plutôt sympathique. Voilà, donc je vais terminer, on est content. Alors, juste comme ça, avant de se quitter, vu que ça va pas durer très longtemps, je vais juste vous montrer un peu à quoi ressemble le... Comment ça s'appelle? Bah, le machin, la nouvelle arme. Donc, dans la spéciale... Ah d'accord, c'est tout. Putain, pourquoi on n'a pas plus de spécial? C'est bizarre ça. Voilà, donc là il y a le Matilda, donc qui est vite fait pourri quoi. Ya. Il y a le lance-roquette infini. Il y a le PRL. Ouais, je sais plus en PL. Ouais, donc c'est pas le PLS, c'est le PRL. Enfin bon, donc du coup on achète cette vieille merde là, qui est très pratique. Voilà. Ouais. On n'a plus rien à faire, on s'en fout du reste, voilà, on s'en fout. Allez hop, vas-y, hop, quitte. On va tout simplement mettre sur nous notre cher PRL, qui dépasse un peu du carré, mais bon, c'est pas très grave. Et là, par exemple, tu fais ça, boum. Oh, tu fais ça, boum, j'ai dit. Voilà, je préfère ça. Bien, tu penses que si je leur fais ça, ça va les niquer? Nya. Oh, je peux pas, quoi. attends. Ah, je peux pas? Je peux pas leur tirer dessus. Sérieux. Regarde, ça reste, quoi. J'appuie plus dessus, hein, franchement. Rien. T'as vu? Et ça reste. Ça... C'est hallucinant. Bon. Eh franchement, kiff total le mec. Non, moi c'est le genre de truc mon gars. Moi je suis un grand narvalo, hein. Tu me fous des trucs comme ça mais en musique laisse tomber, hein. Tu me fous le Nyan 4 par exemple, tu me le fous mais y a pas de soucis, je l'écoute pendant des heures, hein. Après il y a d'autres trucs aussi comme ça, des trucs dans le genre comme ça, mon gars, je peux les écouter pendant longtemps, hein. Voilà, donc là je vous ai montré un peu ce que ça fait, ça les aveugle. Si on fait juste comme ça c'est waouh. Donc si juste comme ça, ça les aveugle, donc ce qui est plutôt pas mal. Et regardez ce qu'on peut faire si on fait ça. Attendez, hop, on va juste se calmer. Regarde, d'un coup là il nous enlève moins de vie, hein. Attends, hop. T'as vu? D'un coup, il nous enlève plus beaucoup de vie, hein. D'un coup, ça fait plaisir, hein. On se dirait qu'on se prend une flèche, quoi. Et encore, regardez un peu. Boum! Attends, laisse-moi tirer, gros. Regarde. Pouf! Hop là, les trois en même temps. Ça fait pas plaisir, ça, un petit peu. Et franchement, c'est super violent, ce machin. Qu'est-ce que tu veux? Et même les boss, hein. Les boss, ça les one-shot. Ah, tu peux mettre n'importe quel boss. Si je me rappelle bien, ça les one-shot. En attendant, c'est sûr, ça one-shot. Comment ça s'appelle? Tu sais, le troll. Le troll, ça le one-shot direct. Et regardez, on va se marrer. Enfin, non, on va pas se marrer, mais voilà. La 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 la. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il est con. Enfin bon, voilà, donc on récupère ça. On récupère ça. Et tout simplement, on va se quitter là-dessus. Et franchement,
Ça fait... Ah non, attends, on va peut-être... Ouh là, j'ai eu chaud. Non, j'ai envie de tester un truc juste avant de se quitter quand même. Ah ouais, attends, on en profite un petit peu, on teste des trucs. Juste que maintenant qu'on est au début, on a un pistolet quand même qui est maxé, qui est extrêmement puissant. Et j'ai bien envie de voir en combien de coups ça tue les ennemis. Comment ça, il n'y a personne ici? Non, ça l'a tué! Oh, de là où j'étais, les gars, ça l'a tué, quoi! Non! Et c'est what the fuck, cette arme. Oh, c'est vraiment une arme de ouf. Allez, on va essayer de voir en combien de temps ça... Enfin, en combien de coups ça le tue dans la tête. Merde, je me suis raté. One shot! One shot! Et là, dans le corps... One... Oh là 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 là. Oh, alors je vais vous montrer un petit truc. Ah mais non, on peut pas parce qu'ils sont plus là. Ils sont plus là, ils sont plus là. Ouais, ils sont plus là. Non, parce que normalement dès le début, c'est que c'est la première fois que tu joues au jeu. Il y a des gens qui sont là. Et moi au moment justement, avec un mod sur PC, je me suis mis des bonnes armes, genre celui-là ou lance-roquette ou des trucs comme ça dès le début. Et je leur tirais dessus, les mecs, ils étaient immortels, tu sais. Enfin bon. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu, ce dernier épisode. On a terminé quand même, bon pas en beauté non plus, mais ça va, ça passe bien quand même. Et ça fait plaisir quand même tout ça. Franchement, ça, regardez, même comme ça là, hop, tu fais ça. Boum. Franchement, ça fait plaisir, ça détruit tout et tout, franchement c'est une arme. Ça vaut le coup de faire le professionnel pour ça. Et encore, moi je l'ai fait au couteau et tout ça, donc forcément ça paraissait difficile. Mais quand tu le fais normal, bon après il faut savoir jouer c'est sûr. Moi j'ai l'habitude à force de rejouer. Bon, il y a un moment, voilà, tu sais un minimum jouer. Mais malgré tout, même si tu fais pas au couteau, ça rend vraiment les choses plutôt faciles. Il suffit que tu prennes un fusil à pompe, tout ça. Bon, après, voilà, il faut connaître un peu où c'est les choses, tout ça. Et après, ça peut être assez simple et tout, voilà. Mais bon, en attendant, on a réussi, je pense qu'on a plutôt réussi notre 80% au couteau. Bon, là, on l'a peut-être pas à 80%, mais au moins au-dessus de 50, on a dû aller vers les 70, je pense. Et donc, c'est déjà pas mal. Et voilà. Bon, après, on peut pas non plus, on peut pas non plus être exceptionnel. Après, si je le fais en facile, je pense qu'il y a moyen que sur tous les zombies, je fasse du couteau. Mais ça m'étonnerait. Ça serait extrêmement difficile, mais ça serait possible, je pense. Voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine fois, ça sera du assignement ADA. On va se faire la même chose. 80% au couteau en professionnel. Et je crois que j'ai pas débloqué le mode professionnel. Ah, je crois que j'ai dans le cul. Ah ouais. Bon, ça on verra bien. Sinon, entre temps, je ferai du Resident Evil Révélation. Et puis voilà. Donc, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. En fait, je ferai du Resident Evil Révélation. Je ferai le mode commando, hein, vous savez. Voilà. Donc, je ferai un peu de mode commando. On fera tous les épisodes un par un. Tranquillou, pepperoni. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.